Il défigure les paysages, s'amoncelle aux portes des villes et envahit les océans. Depuis quelques décennies, le plastique transforme peu à peu notre planète en décharge à ciel ouvert. Chaque année dans le monde, 150 millions de tonnes de plastique sont jetées à la poubelle. Une faible partie de ces déchets est recyclée, mais la majorité est brûlée, enfouie, ou pire, laissée à l'abandon. Cette pollution environnementale sans précédent menace les écosystèmes et la biodiversité, mais aussi notre propre santé. Au XXIe siècle, la gestion des déchets plastiques est donc devenue un enjeu majeur. Mais comment venir à bout de ces montagnes de détritus? Demain, serons-nous capables de recycler tous les types de plastique? Pourrons-nous offrir une seconde vie à ces déchets afin qu'ils ne finissent plus dans la nature? Aux quatre coins de la planète, on assiste progressivement à une prise de conscience politique et citoyenne. En parallèle, ingénieurs, chercheurs et industriels imaginent de nouveaux procédés pour améliorer le recyclage et valoriser nos déchets. Tous conjuguent leurs efforts pour mener à bien un ambitieux projet, celui de transformer nos poubelles en nouvelles matières précieuses. En 1909, le chimiste belge Léo Beckland dépose le brevet du premier plastique synthétique de l'histoire. La bakélite, c'est son nom, est à la fois légère, résistante, indéformable et isolante. Très vite, elle est adoptée par les industriels et entre dans la fabrication des téléphones, des postes de radio et des appareils électroménagers. Puis, les premiers plastiques dérivés du pétrole sont mis au point et la famille s'agrandit à une vitesse folle. C'est l'arrivée du PVC, du nylon, du polyéthylène, du polyester et le début d'une véritable révolution. Garde sans du plastique, c'est bien plus fantastique que dit qu'on y voit le printemps. Passer son temps à faire des fleurs en papier. Aujourd'hui, on fabrique chaque année dans le monde plus de 300 millions de tonnes de plastique. En quelques décennies, ce matériau miracle a envahi tous les domaines de notre vie, jusqu'à devenir littéralement indispensable. Non seulement il est partout, c'est vrai qu'on pourrait lister, il est dans tous les secteurs d'activité, je veux dire l'automobile, l'emballage, les transports, le médical, on le néglige souvent, mais c'est fondamental. Il y a énormément de problèmes de santé publique qui apparaîtraient s'il n'y avait pas le plastique. On le retrouve bien sûr dans le sport, on le retrouve dans les jeux et jouets, on le retrouve dans énormément de domaines. Aujourd'hui, on commence à parler de systèmes d'objets connectés, on parle d'impression 3D, on parle de ces technologies-là qui, quelque part, toutes sont à base de plastique. Et autre remarque qui me paraît importante, c'est que on ne peut pas faire de développement durable, par exemple faire des éoliennes, faire des panneaux voltaïques, on ne peut pas le faire si on n'utilise pas des plastiques. Mais à l'aube du troisième millénaire, le plastique n'est plus autant adulé qu'autrefois. Pour nombre d'écologistes, il est même devenu la bête noire qu'il faudrait à tout prix éliminer. Aujourd'hui, il y a clairement un problème. Le problème majeur qui est à la fois un problème et une qualité du plastique, c'est sa durée de vie. Le plastique dure extrêmement longtemps et met un certain temps à disparaître par lui-même. Vous prenez un emballage pour un hamburger, par exemple. Un emballage pour un hamburger, alors maintenant ils sont en carton, mais il y a quelques temps ils étaient encore en matière plastique. Il est utilisé pendant moins d'une minute. D'accord ? Donc on crée un produit. On crée un emballage, on met un produit dedans pendant moins d'une minute et ensuite ce produit va mettre un certain nombre d'années à disparaître. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Inexorablement, le développement du plastique et en particulier des emballages à usage unique a entraîné une augmentation phénoménale de la quantité de déchets. Selon les spécialistes, un dixième de la production mondiale finit chaque année à la dérive dans les océans.
Transportés par le courant, ces détritus finissent alors par s'accumuler en de gigantesques plaques d'ordures. Ces plaques affleurent à la surface et tout le plastique se retrouve sous la mer, comme la partie immergée d'un iceberg. À cause des courants marins, des vortex, appelés gyres, sont en rotation perpétuelle dans tous les océans du monde. Dans le Pacifique Nord, la plaque est si grande qu'elle a été baptisée 7e continent. Invisible depuis l'espace, son existence a longtemps été niée. Aujourd'hui, des expéditions sont organisées pour cartographier ces zones polluées. Voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, enfin des fils de nylon, des gros morceaux de plastique. Et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le 7e continent. Là, on y est. Quand on sait que le plastique met en moyenne entre 100 et 1000 ans à se dégrader, réduire la quantité de déchets que nous produisons est devenue une priorité absolue. Pour y parvenir, une piste est sérieusement explorée par les industriels et les politiques depuis une quinzaine d'années, celle du recyclage. Cette usine française est l'un des genres de recyclage les plus modernes d'Europe, l'usine de régénération APPE. Sa spécialité, les bouteilles en polyéthylène téraphthalate, le fameux PET. Chaque année, près de 150 000 tonnes arrivent ici, en provenance directe des poubelles des entreprises et des particuliers. Ces balles de plastique sale et cabossées sont d'abord triées, puis rincées abondamment et débarrassées des étiquettes et des bouchons. Étape suivante, le broyage. Les bouteilles sont décomposées en minuscules paillettes d'à peine quelques millimètres. Et c'est le début d'une nouvelle vie pour elles. Pendant longtemps, ces granulés de plastique recyclés étaient essentiellement envoyés vers des usines textiles. Les bouteilles devenaient ainsi des vestes polaires ou du rembourrage pour les couettes et les peluches. Mais il y a quelques années, les autorités sanitaires ont autorisé l'usage de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires. Une véritable révolution pour la filière, qui a vu s'ouvrir d'importants débouchés. Depuis lors, à Beaune, les bouteilles en plastique redeviennent tout simplement de nouvelles bouteilles en plastique. Pour Raphaël Jomotte, le responsable des opérations, ce changement apparemment simple s'est en fait révélé particulièrement complexe. Lorsqu'on a commencé, on était sur des procédés qui n'étaient pas développés. Il n'y avait pas de cadre réglementaire et personne ne savait faire d'une bouteille jetée dans une poubelle quelque chose qui pouvait recontenir un aliment. On a petit à petit su convaincre nos clients que c'était faisable, que c'était possible. Il a fallu les convaincre parce que il faut imaginer qu'on traite quelque chose qui sort d'une poubelle et qu'il va falloir refaire quelque chose dans lequel on va pouvoir mettre un aliment, une boisson, une eau minérale. Ça peut choquer. Pour garantir une sécurité alimentaire totale, l'usine est dotée de technologies de pointe. Chaque machine est d'abord parfaitement propre et protégée de toutes les contaminations extérieures. Les déchets plastiques, eux, sont lavés une dizaine de fois au total. Et à toutes les étapes du recyclage, les moindres traces de polluants chimiques ou biologiques sont traquées et éliminées. Chaque heure, chaque minute, il y a des contrôles de qualité qui sont réalisés. On estimait que pour arriver à partir d'une bouteille, faire une préforme, on arrive à peu près à 60 contrôles faits entre l'entrée et la sortie. L'une des bêtes noires des industriels, c'est le PVC. Ce matériau se retrouve bien souvent au contact des bouteilles pendant leur séjour dans les poubelles. Pour l'éliminer, les granulés subissent un ultime chauffage à 220 degrés. À cette température, les résidus de PVC noircissent instantanément et peuvent donc être éliminés facilement. À
À la fin de la chaîne, le plastique recyclé répond parfaitement aux exigences nécessaires pour être au contact d'un aliment. On obtient ce qu'on appelle des préformes, des ébauches de bouteilles prêtes à être envoyées dans les usines des clients. Tous les jours, vous allez dans un rayon d'eau minérale ou de soda, vous allez trouver des bouteilles, ce n'est pas forcément indiqué dessus, qui contiennent une part de matière recyclée. Alors ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut être 35%, ça peut être 50% pour certaines, qui contiennent du granulé recyclé qui vient d'ici, qui vient de cette usine. Des bouteilles, mais aussi des ustensiles de cuisine, des vêtements et même des rehausseurs pour les enfants. Aujourd'hui, les objets contenant du plastique recyclé sont en plein essor. Certaines marques surfent même sur cette tendance et font du recyclage un argument commercial. Ce stylo, par exemple, a été baptisé « Bottle to Pen », en français, « de la bouteille au stylo ». Le développement de ces produits, et surtout leur acceptation par le grand public, représente un enjeu de taille. Car non seulement le plastique recyclé ne finit pas sa vie dans une décharge, mais en plus, il permet d'économiser les ressources fossiles de plus en plus rares et de plus en plus chères. Une tonne de bouteilles en PET recyclées, c'est en effet 830 litres de pétrole brut qui ne sont pas consommés. Mais aujourd'hui, la part du plastique recyclé dans tous ces objets dépasse rarement les 20 à 30%. Pour certains spécialistes, ce chiffre, extrêmement bas, serait avant tout lié à la défiance des industriels et du grand public. Ça, c'est des études qui sont faites par les services marketing de la grande distribution ou des marques qui ont toujours, je pense, cette crainte qu'à un moment donné, un défaut qui pourrait paraître secondaire prenne une ampleur qui inquiète. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « dans ce produit, il y a du recyclé », ça fait un peu produit d'occasion, quoi. Donc il faut aussi que l'image du recyclé soit valorisée pour que les industriels sollicitent de plus en plus de recyclés parce que c'est en le sollicitant qu'ils feront que la filière se développera mieux. À ce verrou psychologique s'ajoute un autre paramètre. Il existe aujourd'hui plus de 700 types de plastique différents sur le marché international. Impossible économiquement de créer une filière de recyclage pour chacun d'entre eux. Il y a des grandes familles, hein, polyéthylène, polypropylène, etc. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur des familles, il y a énormément de possibilités, de grades, de compositions, d'adjuvants, d'additifs qui peuvent être très différents. Et puis après, on peut combiner des plastiques ensemble. Très souvent, les emballages ont plusieurs épaisseurs différentes parce que chaque plastique va avoir des propriétés caractéristiques, UV, imperméabilité, enfin des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'en mettant plusieurs plastiques ensemble, on va obtenir des qualités particulières. Ce qui fait que, dans un certain nombre de cas, vous avez des quantités de plastique qui sont très faibles, ce qui rend d'autant plus difficile le recyclage, puisqu'elles sont en très faible quantité et très difficiles à collecter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de bien cibler les secteurs où il y a un volume intéressant et de mettre en œuvre les moyens de recyclage sur ces volumes. Au total, dans le monde, seuls 5% des produits en plastique font ainsi l'objet d'un recyclage. Faute de filières rentables, les sacs en plastique, les films d'emballage, les pots de yaourt ou encore les barquettes alimentaires finissent quant à eux bien souvent leur vie dans les décharges. Certaines matières sont aussi tout simplement impossibles à recycler. C'est le cas des plastiques dits thermodurcissables. Plébiscités dans le secteur automobile pour leur exceptionnelle résistance, ils adoptent leur forme définitive au premier refroidissement et ne peuvent plus être refondus. Mais depuis quelques années, un autre avenir se dessine pour tous ces rebuts dont on ne sait que faire. Nous sommes en France, dans les locaux de la start-up ETIA. Olivier Lepez est le fondateur de la société. Chimiste de formation, il a mis au point une technique innovante pour transformer les déchets plastiques en carburant. On n'utilise ce type de procédé que lorsqu'il n'y a plus de possibilité de valoriser autrement
que de valoriser le contenu énergétique de la matière plastique. Donc on se situe en toute fin de chaîne, juste avant l'élimination purement et simplement de la matière dans une décharge. Dans les laboratoires, la matière plastique retourne à son état initial. Le parcours du déchet démarre dans cet entonnoir pour atteindre le cœur du système, le four. À l'intérieur, les déchets subissent une transformation au niveau moléculaire, appelée pyrolyse. Le principe consiste à chauffer très fort la matière, sans oxygène, entre 400 et 900 degrés Celsius, pour qu'elle se décompose. Chaque type de déchet va alors réagir à sa manière, selon sa composition chimique. Au final, il se décompose en trois fractions différentes. Un gaz, un déchet solide, et surtout une huile brute prête à être raffinée comme n'importe quel or noir. Une simple flamme suffit à tester tout le pouvoir calorifique de ce pétrole fraîchement fabriqué. De nombreuses sociétés ont vu là une manière écologique de faire des économies. Soit ce sont des sociétés qui disposent de déchets et qui souhaitent effectivement valoriser au mieux ces déchets et qui peuvent avoir effectivement directement ou indirectement des besoins d'énergie. Et les autres, c'est les consommateurs d'énergie. La plupart des industries agroalimentaires ou papetières ou cimenteries, etc., ce sont des sociétés qui consomment beaucoup d'énergie. La possibilité effectivement d'acquérir ce type de procédé leur permet de baisser leur facture énergétique en ayant des énergies de substitution par rapport aux énergies primaires ou aux énergies électriques. Au total, grâce à la pyrolyse, les trois quarts de la masse de plastique de départ sont transformés en pétrole. De quoi promettre à ces entreprises jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Mais en contrepartie, il faut se débarrasser des résidus solides de l'opération. Un déchet ultime, hautement toxique, pour lequel il n'existe pas d'autre solution que l'enfouissement. Malgré tout, certains y croient, au point d'en faire le fondement de leur business. C'est le cas de Michael Murray, un Irlandais prêt à tout pour conquérir le monde avec son carburant issu des déchets plastiques. Il vient d'ouvrir une usine flambant neuve à Almeria, à la pointe sud de l'Espagne. Pour lui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une tonne, nous produisons 950 litres de carburant et l'usine a une capacité de 20 tonnes par jour, de quoi fournir du carburant pour à peu près 500 voitures. Pour faire de telles quantités de carburant, il a fallu transposer le procédé de pyrolyse à très grande échelle. Un chantier d'envergure qui a nécessité de longues années de travail et de questionnement. J'ai fondé Synar en 2003. C'était un projet au long cours en termes d'énergie alternative et j'ai tout de suite vu une opportunité avec le plastique. Nous étions les précurseurs dans le domaine et on a eu beaucoup de mal au début. Le véritable problème, c'est qu'on ne savait pas trop où on allait. Le but, c'était d'arriver à la conclusion ferme que nous tenions le bon produit et que nous pouvions démarrer sa commercialisation en toute quiétude. Voilà notre plus gros obstacle. Ça nous a pris un certain temps, mais on a fini par y arriver. C'était en 2010. Aujourd'hui, c'est bien de l'or noir qui sort des gigantesques cuves de pyrolyse. La preuve avec cette réplique de moteur diesel de voiture. Quant à la partie résiduelle toxique, le fondateur de la société préfère voir le verre à moitié plein. Il y a toujours de quoi argumenter sur sa provenance. Mais quoi qu'il arrive, ils sont voués à passer le reste de leur existence dans un sous-sol. L'alternative que l'on propose est simple. On transforme tout bonnement le plastique en carburant de substitution aux énergies fossiles et par conséquent, il devient une ressource renouvelée.
Voilà de quoi on parle. C'est aussi une occasion inespérée pour les pays en développement, par exemple, d'améliorer leur quotidien. Prenez un village africain, les petites îles du Pacifique Sud, des Caraïbes. Certes, il manque d'argent, mais pas de déchets plastiques. Ce n'est pas la solution miracle, mais on s'en approche. Et je pense que l'avenir passe par là. Cette nouvelle source de pétrole prend son envol. D'ici 2 ans, une vingtaine d'usines verra le jour dans le monde entier, notamment sur le continent américain. D'autres sociétés ont pris le train en marche, comme Agilix à Portland. Les pays en voie de développement, eux, n'ont pas encore les capacités d'investissement pour accueillir de tels projets. Toutes ces jeunes sociétés ont le même objectif, faire un pétrole moins cher et moins polluant pour tous. Un objectif louable, mais encore lointain, puisqu'aujourd'hui, les clients de Sinar sont de grands groupes pétrochimiques. Vendre ce carburant d'un nouveau genre à la population n'est pas encore assez rentable. Difficile de savoir quand il le sera. En attendant, dans le monde entier, les déchets s'accumulent. Chaque année, 100 millions de tonnes de plastique finissent leur course dans la nature, dans la rue, dans des décharges. Depuis longtemps, une partie de ces résidus est incinérée. Et les déchets disparaissent alors sous d'épaisses fumées toxiques. Pourtant, le plastique représente une source potentielle d'énergie considérable. Selon les spécialistes, la valeur du gisement de la planète représenterait plus de 100 milliards de dollars. Alors depuis quelques années, une nouvelle méthode a fait son apparition pour traiter les plastiques non recyclés. Son nom, la valorisation énergétique. Nous sommes à Vienne. Ici, les habitants sont très investis dans le développement durable. Et ce bâtiment n'est pas un musée d'art moderne, c'est un incinérateur. Situé au cœur de la capitale autrichienne, il porte les couleurs chamarrées du célèbre artiste plasticien Friedenreich Hundertwasser. Georges Barèche est porte-parole de l'usine. Il connaît tous les secrets de ce site étonnant. Friedenreich Hundertwasser était à la fois artiste et un grand protecteur de la nature. Quand il a su que nous réhabilitions l'usine d'incinération de déchets, sa première réaction a été plutôt mitigée. Mais ensuite, on lui a expliqué que nous fabriquions une énergie propre capable d'alimenter 60 000 foyers. Depuis sa fabrication, la capacité de l'usine a été multipliée par 6. Désormais, près de la moitié de la ville, soit 850 000 habitants, se chauffe grâce à ses propres déchets. Ce traitement des déchets a un prix, quel que soit le client. Une tonne de déchets coûte environ 2,40 €. En Autriche, il est interdit de les stocker dans des décharges, donc on brûle tous nos déchets ménagers ici. Ici, nous portons les déchets à une température de 850 à 1000 degrés Celsius. Pas besoin d'y ajouter du gaz ou du carburant. Les déchets brûlent seuls. Évidemment, pour alimenter les flammes, on est obligé de souffler de l'air par en dessous. En brûlant, le plastique dégage une énergie considérable. Cette dernière est alors récupérée, puis réutilisée sous différentes formes. On appelle cela la cogénération. Avec une seule source de matière, l'usine est capable de générer 3 types d'énergie. De la chaleur, de l'électricité, mais aussi une énergie frigorifique utilisée notamment par les hôpitaux de la ville. Ces transformations produisent à la sortie 99,9% de vapeur d'eau. Pour le reste, c'est de la cendre et autres en infime quantité.
C'est le prix à payer pour valoriser ces déchets. Polluer l'air avec de nombreuses molécules toxiques. Parmi elles, du monoxyde de carbone, du chlorure d'hydrogène, du dioxyde de soufre, ou bien du fluorure d'hydrogène, tous présents en infime quantité. Mais dans la balance, l'incinérateur génère moins de pollution que l'ensemble des voitures de la ville. Vienne a fait son choix. De cette manière, l'Autriche valorise plus de 90% de ses déchets. Un chiffre vertigineux, bien éloigné de ceux de la plupart des pays dans le monde. Le Royaume-Uni, par exemple, a un taux de recyclage de 25% et un faible taux d'incinération. Le pays ne valorise donc que 33% de ses déchets plastiques. Et à chaque pays, son profil. La Lituanie ne fait que du recyclage et envoie le reste en décharge. Les États-Unis ont un très faible taux de recyclage, seulement 10%, mais se rattrapent sur l'incinération. La France recycle plus de plastique et fait moins de valorisation énergétique. Dans le haut du panier, la Norvège dépasse les 90% de valorisation, ainsi que le Danemark ou bien la Belgique. Ils sont une dizaine de pays en Europe à atteindre ce chiffre record. Les champions, la Suisse, l'Allemagne et la Suède, frisent les 100%. Il y a 20 ans, leurs décisions politiques ont été pragmatiques. Le plastique est une source d'énergie comme une autre. Elle est là, il faut l'exploiter. Des campagnes de sensibilisation ont permis à la population de se familiariser avec la notion de déchets utiles. En conjuguant le recyclage et la valorisation énergétique, tous les déchets plastiques trouvent une destination. La valorisation énergétique est donc en pleine croissance. L'Allemagne a même développé une nouvelle filière de combustible. Une partie des déchets plastiques est compressée pour former ce que l'on appelle un combustible solide de récupération, dit CSR. Les centres de tri renvoient les déchets divers qui n'ont pas trouvé de solution de recyclage dans ces nouvelles usines. Ils y subissent un premier broyage. Des confettis au potentiel énergétique immense sont ensuite comprimés pour obtenir un charbon de plastique. Cette filière en devenir doit encore se doter de normes, car pour l'instant, la composition des CSR n'est pas clairement définie. Les gisements de déchets, dont ils sont issus, varient d'une usine à l'autre. En attendant, 7 millions de tonnes de combustible sont produits chaque année en Allemagne. Pour l'industrie de la construction, principal client de ce secteur en plein essor, c'est une aubaine. Et pour le pays, c'est une économie d'énergie non négligeable. Mais aussi l'émergence d'une nouvelle filière dont la rentabilité s'annonce pour le moins prometteuse. Nous, on n'est pas contre la valorisation énergétique, parce que quelque part, c'est déjà bien d'avoir récupéré un matériau et d'avoir récupéré l'équivalent d'énergie. Donc, pourquoi pas ? Donc, on n'est pas contre, mais ce qu'on veut pas, par contre, c'est qu'on fasse que de la valo énergétique et qu'on oublie le recyclage. La valorisation énergétique serait un complément au recyclage. Ces industries ont donné à nos déchets plastiques une valeur marchande. Face au prix du pétrole qui ne cesse de grimper, le contenu de nos poubelles prend une nouvelle dimension. Une fois recyclé, le plastique se négocie à plus de 100 euros la tonne. Une manne financière très convoitée, mais loin d'être suffisamment exploitée. Les sacs plastiques en sont la parfaite illustration. Bien évidemment, les sacs plastiques sont recyclables. Et aucun problème, c'est en général en plus des sacs à base de matières qui sont des matières bien connues, etc. Le vrai problème des sacs plastiques, ce n'est pas la recyclabilité, c'est la collecte.
Si on prend l'exemple des pots de yaourt, c'est pareil qu'au yaourt, ça ne se met pas dans la poubelle recyclable. Pourtant, c'est des matières plastiques qu'on sait parfaitement recycler. Bon, ça a été des choix à un moment donné. La tendance aujourd'hui, je serais tenté de dire, c'est de dire mettons tous les plastiques dans la même poubelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur les nouvelles consignes de tri, il y a des expérimentations qui ont été faites, qui vont se mettre en œuvre au niveau national. Après, il faut arriver à avoir une communication qui soit la plus claire possible, la plus simple possible. Pour améliorer le recyclage et la valorisation du plastique, la clé de voûte serait donc la collecte des déchets. Dans les entreprises, comme chez les particuliers, les collectivités ont progressivement mis en place de nouvelles consignes de tri. L'objectif, récupérer de plus en plus de plastique pour alimenter les usines de traitement. Mais sur le terrain, ces nouvelles directives se révèlent parfois difficiles à mettre en place. Pour y parvenir, certaines villes ont donc déployé des armées de spécialistes, appelées ambassadeurs de tri. Émilie Rouillon est l'une d'entre eux. Bonjour. Bonjour monsieur, je travaille pour la collectivité en charge des déchets. Dans votre bac de tri... Les habitants sont au cœur du système de tri. Mais devant la variété des consignes, difficile parfois pour le citoyen de s'y retrouver. C'est vrai que c'est des consignes générales et des fois quand ils ont un déchet plus précis, ils se posent la question. Comme par exemple le paquet de chips, c'est aussi, ou même la barquette où il y a de la viande, ils se posent actuellement la question où le mettre. J'aurais eu le réflexe de jeter, moi. Et faut le jeter dans le bac de tri. Voilà, c'est bon à savoir. C'est vraiment un rôle de proximité, d'expliquer aux gens leurs déchets, où est-ce qu'ils peuvent les mettre, dans quel bac. Les bouteilles d'huile, par exemple, en plastique, ça, oui. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Et ça, on peut les mettre, ça? Oui, vous pouvez les mettre, ça reste gras, quoi. Je veux dire. Oui, mais après, les usines de recyclage, elles ont des machines qui permettent de nettoyer. Pour nettoyer. Voilà, ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre aussi également, ça sera recyclé par la suite. Ketchup. Si tous les plastiques sont collectés ensemble à la source, le geste de tri devient un jeu d'enfant. En revanche, pour les usines de recyclage, ce nouveau flux de plastique est un véritable obstacle. À leur arrivée, tous les déchets doivent être différenciés en fonction de leur composition et de leur couleur. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Un tri drastique qui nécessite le développement de nouvelles techniques de pointe. Laissons les recycleurs, les régénérateurs, etc., gérer ce problème-là, faire les tris. Ça leur facilitera pas forcément la tâche, d'accord, mais au moins ils auront, de mon point de vue, beaucoup plus de collecte, des flux beaucoup plus importants, et à mon avis, ça serait la meilleure formule. Dans ce camion, des bouteilles, mais aussi des films plastiques, des barquettes alimentaires, des pots de yaourt. Tous les déchets plastiques de cette ville sont conduits dans un centre de tri nouvelle génération. Dans cette usine située en région parisienne, les machines sont capables de faire le tri dans la multitude de types de déchets. Toutes ces matières sont d'abord isolées des autres déchets. Des rouleaux mécaniques font remonter les objets en plastique, tandis que le papier et le carton glissent vers le bas. Plus haut, un tapis roulant emmène les déchets vers le trieur optique. Pour Freddy Faucon, directeur, la dernière innovation de son usine fait vraiment la différence. On a un système de machines de tri optique qui nous permet de trier un grand nombre de différentes matières plastiques. Les trieurs optiques sont capables de reconnaître les matières PET, qu'elles soient claires ou colorées, les PEHD, les bouteilles de lait, elles sont capables de reconnaître les nouvelles résines, les polypropylènes, les PVC et les polystyrènes. Les plastiques passent alors sous des faisceaux lumineux. La lumière se pose sur le déchet, puis se réfléchit sur un capteur optique. Un logiciel analyse le spectre de la lumière réfléchie. Chaque plastique a sa propre signature lumineuse. Selon le résultat, un flux d'air envoie les plastiques vers le haut ou vers le bas, selon leur composition.
Et les machines de tri optique, elles permettent de trier plus vite, de trier mieux les matières. Et puis les opérateurs de tri ont un poste qui ont évolué parce qu'ils font plus un contrôle qualité derrière ces machines qu'un vrai tri comme avant, à l'origine, avant qu'on ait ces machines. Ce système est capable de traiter 3 à 4 tonnes de déchets par heure. Une grande partie des plastiques autrefois enfouis va pouvoir intégrer la voie du recyclage. Le recyclage, c'est important. On est un peu dans une économie circulaire. On consomme des matières, on les recycle, on en refait d'autres matières premières. C'est ça qui est important. La collecte est bien l'affaire de tous. De plus en plus, de grandes capitales intègrent cette donnée. Au cœur de Paris, un tout nouveau quartier a vu le jour. Un éco-quartier qui se veut modèle. Panneaux solaires, murs végétalisés et bien sûr, gestion optimale des déchets. Le choix de la ville s'est porté sur un réseau pneumatique de collecte des plastiques. Tout se passe sous terre, où plus de 2 km de conduits acheminent les déchets dans un centre de collecte. Moins de camions et moins de pollution. Ces projets sont en adéquation avec les objectifs fixés de réduction des déchets. L'Union européenne souhaite porter un nouveau slogan auprès des citoyens. Zéro déchet plastique en décharge en 2020. Une majorité de gouvernements ont inscrit cet objectif dans leur projet de loi, quand d'autres donnent l'exemple. La situation est extrêmement différente suivant les pays en Europe. Vous avez des pays, en particulier en Europe du Nord et en Allemagne, bien sûr, avec très peu, relativement peu de plastique en décharge aujourd'hui. Donc ce sont des pays qui, depuis des années, ont fait grandir le niveau de recyclage et ont fait grandir de manière très importante ce qu'on appelle la valorisation énergétique. C'est de cette manière que l'Allemagne et la Suisse valorisent 100% de leurs déchets. Grâce à une volonté politique forte, ces pays ont réussi leur virage écologique. Ils créent de nouvelles filières et de l'emploi, tout en faisant des économies d'énergie. En France, en ce moment, nous sommes un petit peu décrochés par rapport à ces pays, puisque aujourd'hui, globalement, ce sont vraiment des chiffres pour s'en rappeler, 20% de recyclage, 40% de valorisation énergétique, 40% de décharge. Même si on voit petit à petit, chaque année, le recyclage, on gagne un demi-point, un point, mais ça prend énormément de temps. Quand on annonce zéro plastique en décharge pour 2020, c'est quand même extrêmement ambitieux. Ce but commun dans une Europe très disparate risque d'être un processus de longue haleine. Si les gouvernements et les plasturgistes sont convaincus du bien fondé d'un tel engagement, les militants environnementaux ne sont pas tout à fait du même avis. Dans le monde entier, les associations comme Greenpeace, WWF ou les Amis de la Terre dénoncent le manque de transparence sur le devenir de ce nouveau gisement de déchets. Va-t-il vraiment être recyclé ? Delphine Lévy-Alvarez milite, elle, au sein de l'association internationale Zero Waste. Plus qu'une association, c'est aussi une philosophie. Née en Californie au début des années 2000, le plastique ne doit jamais être brûlé ni enfoui. Zéro plastique en décharge, nous on est pour, mais on est aussi pour zéro plastique en incinération. Sauf que le message zéro plastique en décharge, derrière, il n'y a pas 100% de plastique recyclé. Il y a du plastique recyclé et du plastique incinéré, valorisé énergétiquement. Donc c'est un faux message en fait. Pour la militante, cet objectif zéro déchet en décharge ne ferait qu'attiser les convoitises des entreprises. Elle ne voit pas d'un très bon œil cet engouement pour les déchets plastiques. La question, c'est qu'aujourd'hui, les déchets sont devenus une marchandise. On a fait une marchandisation des déchets. Ce qui fait que le déchet est devenu un produit monnayable
échangeable, vendable, achetable. Et il y a une pression sur la production de ce déchet. Que ce soit sur le recyclage ou l'incinération ou le stockage, on a des gens qui sont demandeurs de déchets. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur business. Mais cette volonté de capter des flux de déchets et d'avoir un flux de déchets constant, de la même qualité, en même proportion sur une année, c'est proprement incompatible avec les velléités de réduction des déchets à la source. On ne peut pas monétariser un déchet et en même temps dire qu'on va le réduire. Transformer le recyclage en véritable industrie crée un appel d'air vers plus de plastique. Si le recyclage continue son essor, il faut en parallèle adopter une politique plus ferme de réduction des déchets. Les produits en plastique jetable sont dans le collimateur de l'association. Le plastique à usage unique, il doit être uniquement réservé au domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, on peut comprendre qu'on n'utilise qu'une fois une paire de gants, on peut comprendre qu'on n'utilise qu'une fois un drain, parce qu'il y a des raisons, des questions sanitaires en jeu. Dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'habitation, etc., qu'il y ait des choses qui soient à usage unique, ça n'a pas de raison d'être. Une bouteille en plastique à usage unique, ça n'a pas forcément de raison d'exister. On pourrait très bien imaginer une bouteille en plastique réutilisable, donc beaucoup plus épaisse, ou même une bouteille, l'équivalent en verre, réutilisable aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message, c'est on est écolo parce qu'on recycle. Non, le message, c'est on est écolo parce qu'on prévient les déchets à la source et qu'on fait en sorte que la matière soit utilisée à bon escient. Une matière extraite de la nature, utilisée pour faire un bien qui est à usage unique, ce n'est pas utiliser la matière à bon escient. Entre le recyclage de la matière et son réemploi, le cœur des décisionnaires balance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend certaines personnes qui nous parlent de remettre en place des systèmes de consignes avec des matières plus épaisses, etc. Je pense que là, c'est vraiment un choix économique. D'un point de vue technologique, et c'est plutôt ce qui nous concerne, d'un point de vue technologique, les deux solutions sont parfaitement jouables. Mais maintenant qu'il y a une filière correctement organisée en France pour la collecte des bouteilles en PET, ça serait dommage de mettre tout ça cul par-dessus tête et de redémarrer quelque chose. Ce choix relève de décisions politiques propres à chaque pays. Et aujourd'hui, dans le monde, la voie du recyclage a plutôt un coup d'avance. Mais est-ce vraiment la meilleure solution ? Pour nous, le recyclage, c'est aussi quelque chose, c'est un process industriel qui génère aussi des pollutions, qui génère aussi des gaz à effet de serre, qui est aussi consommateur d'eau, qui est consommateur d'énergie. Donc, ce n'est pas exemple d'impact. C'est toujours mieux que l'incinération et le stockage. Mais la chose, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, c'est celui qu'on n'a pas à recycler. Quelle solution pour restreindre notre consommation de plastique ? Plusieurs pistes ont été explorées avec plus ou moins de succès. La première idée a été de remplacer le plastique. Il fallait donc trouver une autre matière équivalente et biodégradable. C'est la naissance des bioplastiques. Blé, maïs, pommes de terre, tous contiennent de l'amidon, source de ces plastiques végétaux. Une fois extrait, l'amidon est restructuré. Il subit un réarrangement moléculaire et devient une nouvelle matière, le bioplastique. En bout de chaîne, toujours des granulés, cette fois 100% biodégradables en 6 mois. Les premiers sacs plastiques compostables ont fait leur apparition. Puis d'autres objets du quotidien. Pourtant, leur utilisation fait débat. Les bioplastiques, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Simplement, il y a plusieurs précautions à prendre par rapport aux bioplastiques. Quand on dit que c'est un produit plastique qui vient d'une plante ou qui vient d'une ressource renouvelable, vu comme ça intellectuellement, c'est extraordinaire. Bon. Mais quels moyens a-t-on dû mettre en œuvre pour arriver à produire ce bioplastique ? Et comparativement à un plastique traditionnel à base de pétrole, est-ce que les moyens nécessaires... Et toute l'analyse du cycle de vie, très souvent, met en évidence que le plastique issu de ressources fossiles est nettement moins pénalisant pour la planète. Donc je crois que c'est aussi cette analyse-là qu'il faut faire. Ensuite, le biosourcé, il y en a une partie qui va se faire à partir de cultures vivrières, donc il faut se poser la question, quel impact, suivant les pays dans lesquels ça se fait. Et puis, dernier élément qui, pour nous est quelque chose de majeur, c'est
les bioplastiques, les plastiques biosourcés, ont très souvent des problématiques dans le cadre du recyclage avec les plastiques traditionnels. Donc si on crée des plastiques biosourcés qui viennent perturber les flux de recyclage et les rendre inopérants ou de mauvaise qualité, je pense qu'on ne rend vraiment pas service au système. Et les sacs, dits biodégradables, ne le sont pas toujours. Certains sont oxodégradables, compostables ou bien biofragmentables, des termes qui cachent la vérité sur leur réelle composition. L'appellation bioplastique a été vraiment dévoyée, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent de plastique biodégradable alors que c'est de l'oxodégradable qui se fragmente dans les océans, qui est pire que tout. Tout le monde a tendance à véhiculer un message de biodégradabilité, ce qui fait que les gens ont l'impression que le laisser dans l'environnement n'aura pas d'impact, alors que c'est tout l'inverse. Ça aura peut-être même un impact pire puisque ça se fragmente. Donc là-dessus, il faut qu'on revienne à un discours qui soit exigeant sur les appellations. Difficile de trouver une solution parfaite. Mimer le plastique est une tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Alors les industriels se tournent vers l'éco-conception. L'éco-conception, c'est anticiper la fin de vie du produit, de manière à ce que, bon, bien sûr, il s'agit de mettre des plastiques qui sont des produits acceptables, mais c'est dire on anticipe la fin de vie du produit et donc on va prévoir dès le départ la manière dont il va être recyclé, collecté, démonté, enfin, suivant les éléments qu'il faudra faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment en train de rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on imagine mal qu'un nouveau produit soit conçu sans qu'il ait fait l'objet, alors, d'une manière ou d'une autre, d'une analyse de cycle de vie pour voir son impact environnemental, d'une étude d'éco-conception. Et puis après, il y a toutes les méthodes traditionnelles de conception qui permettent d'analyser tous les risques potentiels ou toutes les qualités d'un produit. Et comment on peut s'assurer, dès la conception, que ces qualités seront optimum. Il n'y aurait pas une, mais plusieurs solutions au problème des déchets plastiques. Un savant mélange entre recyclage et réduction à la source. Si consommer moins de plastique dans nos sociétés modernes se révèle être un challenge de taille, le recyclage, lui, est entré dans une ère industrielle. Les technologies d'aujourd'hui sont capables de faire du déchet plastique une nouvelle matière première qui vaut de l'or. La valeur que l'on trouve à travailler dans le recyclage, c'est qu'effectivement on a l'impression de ne pas épuiser des ressources qui sont limitées. Que ce soit extrait du sol, extrait du pétrole, extrait des déchets, c'est la même mine, c'est un seul matériau. Ce matériau, il est limité et travailler ici, fait que tous les jours, on a l'impression de contribuer un petit peu à maintenir la valeur des matériaux que l'on utilise et qui sont vraiment des matériaux nobles. C'est du plastique, oui, c'est du plastique, mais c'est un matériau noble parce que c'est une quantité limitée. Aux quatre coins du monde, le déchet plastique est désormais traqué pour être valorisé. Les déchets plastiques sont pour la plupart rejetés dans les gires océaniques. Voilà ce qui crée la pollution marine. On les trouve sur tous les océans de la planète, Atlantique, Pacifique, Indien. Le mal est fait, certes, mais on peut au moins tenter de réduire le problème. Nous pouvons transformer un problème qui touche le monde entier en véritable ressource. Transformer les déchets plastiques en carburant propre. Les enjeux des déchets plastiques sont devenus des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. La responsabilité du citoyen et des collectivités est engagée. Les nouvelles générations naissent dans un monde où le plastique est présent dans tous les gestes du quotidien. Mais ce monde a depuis opéré une prise de conscience salutaire. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, ce qui a peut-être été le cas dans le passé, de dire « non, il n'y a rien, tout va bien, tout... » Bon, non. À partir du moment où des utilisateurs ou des institutions disent « il y a un problème », notre devoir, c'est d'assumer le problème, c'est de dire « on est prêt à travailler là-dessus, à avancer, à évoluer ». Et on veut vraiment se positionner comme une branche industrielle responsable et qui avance. On ne veut pas donner l'impression d'être un lobby qui défend tout et n'importe quoi. Mais à l'inverse, on ne veut pas non plus être considéré comme étant à chaque fois les vilains petits canards, alors que le problème a été correctement approfondi. Mais c'est vraiment ce côté dialogue que l'on veut essayer d'instaurer avec un certain nombre d'institutions. Ce n'est pas toujours facile. Assumer et agir, c'est le nouveau credo que la société doit porter. Citoyens, industriels et hommes politiques, tous doivent prendre leurs responsabilités.
Le chemin est encore long vers un monde vertueux où les déchets plastiques sont tous pris en charge. Dans les prochaines décennies, il faudra renverser la situation et prendre en main le destin de la planète.